Et boum les gens, comme vous le voyez, on est de retour dans ce petit village. Et je suis toujours SDF. Il y a un gros problème là, ça va plus du tout. Et Invisible Man, eh ben, c'est devenu l'homme le plus riche de la ville. Il a carrément des avions. Et moi regardez ce que j'ai, c'est juste un caddie de Leclerc. Les gars, c'est trop nul, moi aussi je veux des avions. Mais du coup vous savez quoi, puisque Invisible Man il pense que je suis mort par rapport à la dernière vidéo, eh ben je vais en profiter pour aller lui voler tous ses avions. Et je sais qu'il en a beaucoup. Hop hop hop, avant ça voici les derniers abonnés à la chaîne. Un grand merci à vous, on est bientôt proche des 100 000 abonnés. Donc abonnez-vous tout de suite, sinon je vous fume, c'est bon? Et ben voilà, c'était pas compliqué, activez la cloche maintenant. Donc bref, merci à Azuro de s'être abonné, merci à Amayas et merci à Adrita de s'être abonné. Et c'est parti. Bon les gars, comment vous dire, je suis encore à la rue. Regardez, c'est sur cette route que je vis, mais en fait non, parce que boum, cette villa qu'il y a juste devant moi, c'est la mienne. Rappelez-vous la dernière fois, Yohan, il m'a volé tous mes véhicules. J'étais arrivé dans la ville et j'étais le king jusqu'à ce qu'ils me prennent tout. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai su me relever. Je suis un très très bon investisseur et j'ai pu me payer la plus belle villa de la ville, je pense. En parlant de la ville, on ira la visiter tout à l'heure, mais pas de n'importe quelle manière. Parce que la dernière fois, j'étais dans ma phase véhicule-voiture, mais depuis que je me le suis fait voler, je sais pas, j'ai un petit blocage à ce niveau-là. Maintenant, j'essaie de voir plus grand. Je suis un homme riche, je dois alors me déplacer comme un riche. Vous savez quoi, on va commencer directement. Je vais rentrer dans mon petit caddie de ouf, et il va voir ce qu'il attend. J'espère qu'il est prêt, hein. Regardez-moi ce caddie, comment il va vite. J'ai carrément mis un boost dessus. Et là, je vais à la vitesse de la lumière. Je suis plus rapide que Sonic. Waouh, wow, wow. Mais je vais vraiment très très vite par contre. Là, il y a les petits trucs. Ok, 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 attendez, parce que là, Invisible Man, il est juste là-bas. Là-bas, là, c'est sa maison. Je sais pas si vous voyez, mais attendez, est-ce qu'on le voit quelque part? Non, on le voit pas. Donc c'est parfait, on va en profiter pour aller tout lui voler. Attendez, parce qu'il faut pas trop que je m'approche, parce que du coup, il croit que je suis mort. Alors que les gars, je suis vivant. Regardez, je vous parle. Là, les gars, vraiment, il faut faire très attention. Je suis en mission impossible. Je vais poser mon caddie juste derrière, hop, et je vais monter tranquillement comme ça. Alors attendez, oh, il y a un hélicoptère juste ici. Ok, ok, ok. Où est-ce qu'il est? Ok, non, je l'ai vu. Il était dans sa maison. Ok, regardez, il est là, il est là. Ok, faut qu'on fasse gaffe. Je vais vite aller là. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Ok, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Bon, tout d'abord, petite visite de la maison, voilà, vous l'avez vu. C'est une très grande baraque avec une seule pièce principale. Petite cuisine ici. Petite salle des coffres juste en haut, avec la vue sur le salon, franchement, c'est incroyable. Et cette fois-ci, dans cette villa, je me suis concentré sur la sécurité. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de voleurs. Alors, c'est bien d'avoir une grande maison, mais si on peut pas la protéger, ça sert à rien. Donc, il y a des caméras de partout, il y a des détecteurs de présence. C'est des détecteurs qui fonctionnent à l'odeur. Et moi, j'ai une odeur très nauséabonde, donc si je rentre dans la maison, bah il se passe rien, y a pas d'alarme. Mais si quelqu'un rentre et qui sent bon, bah forcément ça bip. Et la police intervient. Bref, du coup, oh, oh mais regardez qu'est-ce qu'on voit là. Je vous avais parlé de véhicules un petit peu spécial. Et oui, j'ai laissé tomber les voitures, je vous le rappelle. Maintenant je suis dans ma phase d'aviation. On peut faire un tout petit tour si vous voulez, juste pour le kiff. Faut que je fasse très attention. Les gars, regardez, à gauche de l'écran, y a un avion de fou. Et c'est lui qu'on va voler. Ouh là 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 là, il est juste ici. Les gars, je stresse, faut pas du tout qu'il me voit. Mais regardez-le, il est devenu hyper riche. Il a une maison de fou. Non, il est là. Ok, non, il me voit pas. Non, c'est bon. Oh yes. Non, si il me voit, c'est fini. Attendez, vous savez quoi, je vais essayer d'aller vite. Ok, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Je vais vite aller ici. Ok, ok, il va présenter son avion. Attendez, attendez, attendez. Je vais passer par sa maison. Mais regardez-moi ça. Mais c'est quoi ce riche? Il est trop riche. Bon, j'ai eu mon permis dans un Kinder Surprise. Donc on va peut-être galérer. Et genre, oh, 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 je perds le contrôle. Je perds le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? On est à l'envers. Attendez, il faut que je me pose. Il faut que je me pose. J'ai envie de vomir. Ça va aller, les gars. On va essayer de se reposer. On va lâcher ça. Les avions, c'est pour faire beau. Je sais pas trop les piloter. Alors attendez, ma piste est là. Bah, ça va être un peu compliqué, les gars, ça va être très très compliqué. Il a pris l'avion, les gars. Regardez, il s'envole, ouah, il fait des loopings. Oh, il est trop fort, mais par contre là, oula, il fait des espèces de loopings bizarres, oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, c'est un truc de malade, je veux cet avion. Mais par contre, s'il te plaît, Invisible Man, atterris, je veux voler ton avion, moi. On va y arriver, on va y arriver, je vois la piste. Elle est juste là, ça va le faire, les gars. On vise le bas, on vise vers le bas, et on ralentit. Il faut ralentir. Ah, oh. Ouh, ok. On s'en est bien sorti, ça va. Ça aurait pu être pire. Oh les gars, ouh là là. Il a atterri sur la piste, mais un peu à côté. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a reposé sur la piste. Mais nous les gars, on va pas le voler comme ça, parce que comme ça là, ça serait beaucoup trop simple. Du coup, vous savez quoi? J'ai préparé un petit truc. Attendez, parce que là en fait, il peut me voir, donc faut vite que je me dépêche. Où est-ce qu'il est? Il a l'air d'avoir pris l'hélico, je crois. Parce que regardez, si je vais ici sous la piste, il y a un espèce de mur bizarre. Et en fait, juste ici, boum, je passe à travers le mur. Et là, il y a une petite porte. Et regardez-moi ça. Les gars, j'ai mis des mois et des mois à construire ça. Mais les gars, c'est pour la bonne cause, vous allez voir. En gros, regardez, si j'appuie juste ici sur ce bouton, et ben boum, le sol descend et j'ai accès à son avion. Et si j'appuie sur ce levier, et ben boum, le mur là-bas descend. Et voilà, les gars, je peux piloter son avion. Donc normalement, je sais piloter les avions. Attention, ça va être assez compliqué. En plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis un pilote très renommé et j'ai fait aussi ma fortune là-dessus. Sauf que les gens savent pas que quand je faisais mes démonstrations, j'avais engagé un clone, un sosie à moi. Mais bref, du coup, pour la petite visite de la ville, je pense qu'on va faire ça en hélico, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez voir, c'est tout aussi fun et ça
décolle très très vite, je crois. Attention, et tchong. Et ça part, les mecs. Alors, bah du coup, c'est pareil, hein, je sais pas trop piloter. Hop, oh, on a déjà dépassé les nuages, je crois que j'ai pas le droit de voler aussi haut. Waouh, franchement, on voit bien la ville de là, hein. On kiffe. On va redescendre tout doucement. Les hélices sont arrêtées. On va peut-être avoir un accident. Ok, ça part. Oh, regardez. Là où on est, on voit mon ancienne maison. Je sais pas si vous la voyez là. Ah, mais qu'est-ce que j'étais pauvre à cette époque. Je me dégoûte. Oh, oh, là, les mecs, on passe à un endroit très très important. Je pense que vous vous en rappelez. Attendez, on va aller se poser tranquillement. Rappelez-vous, c'est là où Johan me volait mes véhicules et qu'il les entreposait. Sauf que les mecs, quelque chose de terrible est arrivé. Parce que depuis, regardez, RIP Johan Anas 2010-2024. Et oui, ce qu'il faut retenir, c'est que Johan Anas a 14 ans. Mais du coup, il est mort. Je sais pas si. C'est son crâne ça. Je pense que je devrais m'en réjouir. C'est légitime. À cause de lui, j'ai quand même été à la paille pendant un jour. Je me suis vite refait grâce à mes talents de pilote. D'ailleurs, comment on démarre le truc là? C'est bon, j'ai retrouvé. Je suis un grand pilote. Et du coup, on va retourner à la maison. Et vu que c'était le voleur principal de la ville, eh ben j'ai beaucoup moins à m'en faire maintenant. Mais surtout que j'ai des systèmes de sécurité imparables et que je suis complètement involable. Au secours. Ok, ça devrait le faire. Nickel. Il y a son hélico qui est juste ici. Ok, faut que je fasse gaffe. Il est juste là. Non, 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 il veut pas me voir, il faut pas qu'il me voit, il faut pas qu'il me voit. Ok, les gars, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il me voit pas. Là, vous voyez, juste là-bas, c'est ma petite tente, et là-bas, il y a ma piste d'atterrissage. Donc, c'est quoi? Je vais éteindre les moteurs, et je vais planer jusqu'à là-bas. Attention, les gars, c'est compliqué, il faut que j'arrive à gérer. Il est où? Il est où, invisible? Ok, il est juste ici, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit. Vite, je vais garer l'avion juste là-bas. Oh, les gars, mais c'est trop stylé, regardez, là, j'avance un peu. Nickel. Oh là là, les gars, regardez-moi ça. J'ai garé le petit avion juste ici, et c'est nickel. Par contre, Invisible Man, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est parti voir ma fausse tombe. Donc, les gars, faut que je me dépêche, je vais rentrer chez moi. Mais là, c'est excellent, on a déjà un avion. Et je vais essayer de lui en voler 5. Ça va pas être facile, mais je vais réussir. Bon, on va essayer de se poser, je suis pas sûr de réussir à atterrir sur le H là-bas, parce que à mon toit, à tout moment je me le prends, donc on va atterrir sur ma piste. Juste en face de l'avion qui... Il est où mon avion? Bon, attendez, on arrête ça tout de suite. What, quoi? J'avais laissé mon avion juste là, on est d'accord? C'est quoi ce... Hein? Mais c'est une dinguerie. Les gars, j'étais pas au courant qu'il y avait un bunker sous ma maison. Mais c'est génial. Elle est encore plus grande, je suis encore plus riche qu'avant. Vraiment, il est où l'avion? Je sais pas si j'ai envie de descendre. C'est une piste d'atterrissage souterraine. Mais trop cool. On va sauter et... Mais il est pas là. Mais s'il est pas là, il est où? Est-ce que c'est vraiment à moi ça? Ça c'est ouvert, mais quelqu'un est passé par là. Waouh, les mecs, je comprends rien. Il y a des passages secrets pour aller dans mon sous-sol sans que je m'en aperçoive. Ouh là là là, est-ce que les voleurs sont de retour là? Est-ce que je peux remonter? C'est quoi ces trucs là? Oh, what? Je pourrais plus jamais y aller. Bon, on va faire comme si de rien ne s'était passé. J'avoue pas trop comprendre là, mon système de sécurité n'a senti l'odeur de personne. Donc deux solutions, soit personne n'est rentré, soit la personne pue autant que moi. Bref, tant pis. Bon, mais du coup les gars, pour le prochain vol, eh bien ça va être très simple. Je vais juste suivre Invisible Man et comme ça on saura où est sa cachette secrète d'avion et je pense qu'on pourra se faire plaisir. Hein. Attendez, vous savez quoi? Je vais reprendre mon caddie. On va retourner chez ce petit filou là. Parce que les gars, moi je veux lui voler tous ces avions. Qu'ils redeviennent pauvres et que moi je devienne le plus riche. Mais avant, attendez, vous savez quoi? Regardez, dans ce coffre, j'ai un masque et j'ai une arme. Et les gars, en fait, ça va être très simple. Regardez, boum, je vais mettre un masque et vous allez voir ce que je vais faire. Mais ça va pas être rigolo. Comme vous pouvez le voir aussi chez moi, j'ai des petites voiturettes. J'en ai marre des voitures de ville. Maintenant, je prends des kartings. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore mon trauma. Et c'est quand même assez plaisant à piloter. Regardez, j'ai mis une petite rampe devant chez moi. C'est plutôt cool. Bon, ça va pas très vite, mais ça va. Mais d'ailleurs, les gars, vu que je suis riche, vous vous en doutez, les véhicules qu'on a vus là, c'est pas mes seuls véhicules. J'en ai 3 fois plus. Sauf que, vu que c'est tous des avions, il faut bien que je les entrepose quelque part et ma piste d'atterrissage n'est pas assez grande. Donc là on va où? C'est simple, à l'aéroport. Et j'ai très hâte de vous les montrer parce que j'ai des véhicules vraiment très spéciaux. Oh, mais attendez les gars, il est juste là-bas. On va le suivre. Je crois qu'il se dirige vers l'aéroport. En même temps, c'est logique. Un aéroport, il y a des avions partout. Attendez, il faut que je le suive de loin. Mais le problème c'est que lui sa voiture elle va hyper vite. Moi la mienne elle va pas du tout vite. Les gars, regardez, j'ai juste un petit caddie là. J'ai perdu toutes ces voitures que je lui avais volées. La police m'a tout pris. Attendez, je l'ai vu, il est passé par là. Vite, 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 vite. Il faut que j'arrive à le retrouver vite. Il est où là? Je l'ai perdu. Ah ça y est, j'ai trouvé l'entrée. Rendez-vous compte, hein. J'ai carrément mon entrepôt dans l'aéroport. C'est très très cher. J'aime bien le dire pour prouver que je suis riche. Normalement c'est à droite ici. On va pas rentrer par l'intérieur. Oh si, attendez, on peut se faufiler là. Par le grillage, hop. Y a pas la sécurité, c'est bon. Et normalement juste à droite il y a mon entrepôt. Oui, regardez. Là-bas c'est chez moi. Il y a tous mes véhicules. Bon par contre vous méprenez pas. L'avion là c'est pas le mien. Moi j'en ai des beaucoup plus petits. Ok les gars, il est juste là. Oh, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit. Non il m'a pas vu, il m'a fait vu. Ok les gars, je vais prendre l'arme. Je crois qu'il va là-bas, mais pourquoi il va là-bas? Y a rien. Ok, il est descendu de sa voiture. Et what the fuck, c'est quoi? Oh, et what the fuck les gars, regardez-moi ça. C'est quoi ça? Il a des avions de fou, il a encore un hélico. Attendez, 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 attendez. Je vais tout lui voler. Vous savez quoi? Je vais me garer tranquillement juste ici, vite. Et je vais aller le voir. Ok, il est juste là. Regardez, ils sont là. Waouh! J'ai un petit avion, un autre hélico là. J'ai ici une voiture volante. Alors ça, je vous la piloterai à la fin. Elle est incroyable. Je pense que vous êtes pas prêts. C'est limite un vaisseau Star Wars le truc. Et là-bas, bah ça m'appartient pas. Mais vu que je suis un délinquant et que je suis un peu jaloux de cet avion, si on pisse sur le toi, bouge pas. Concurrence. Ah! Oh monsieur, qu'est-ce que vous
vous voulez. Je veux je veux ton avion. Allez-y, prenez-le, il est juste non, là. Non, pas lui, pas lui. Aïe, aïe, monsieur, arrêtez, ça va être très très mal hein. C'est un faux ça. Mais monsieur, c'est pas un faux, regardez, il est énorme. Je vous fais la visite. Non. Allez, suivez-moi. Mais monsieur. Allez, je te suis. Bah voilà, bon, suivez-moi. L'entrée est juste ici. Ok. Là-haut. Waouh. Vous y allez? Je peux pas. Bah pourquoi? Fais-moi la courte échelle. Mais monsieur, y a pas de souci. On va faire ça. Vous montez avec moi? Ok. Je vous le donne vraiment volontiers. C'est mon avion. Ouais. Il est incroyable. Vous allez voir, je vous fais la visite. Ça va, monsieur? Oui, je me suis cassé la bistouquette. Alors, faites voir. Oh. Alors, ici, on a des sièges. Ouais. C'est la première classe, je reconnais. Oui, ah oui, là, c'est vraiment confort. Hein. Vous voulez vous y installer? Je pense que vous me paraissez très riche. Passe-moi les clés. Pour ça, faut aller voir l'accueil de l'aéroport, monsieur. Ils vont vous les donner. Arrête de faire le malin avec moi. Allez. Et vous avez un problème pour parler ou quoi? Oui. Non, je rigole. Ah! Waouh! C'est passé à côté de ma tête. Et ici, c'est pour les pauvres, donc certainement pas vous. Parce que vous m'avez l'air très riche. Vous avez un super regard, un super joli. Merci, merci, je sais. Et ici, c'est les toilettes. Ah, bon ah non. Ah, c'est pas les toilettes, hein, donc c'est pas ton avion, hein. Oh, allez. Mais monsieur, mais vous êtes hyper futé, vous êtes du compte direct. Allez. Franchement, vous êtes vraiment chaud. Passe-moi tes vrais avions, descends là, saute. Pour mon capital sympathie, j'ai le droit de garder mon avion? Non, saute, là-bas là. Bon, je vais vous le donner, je vais vous le donner. Là-bas. Je me rends. La vie est trop précieuse. Fais pas le malin. Est-ce que vous tenez un gang? Parce que je vais que de me faire voler dans cette ville, c'est pas possible. Non. Je veux celui-là. Vous voulez lequel? Lui là, le gros. Oh non, pas lui. Les gars, je suis hyper content qu'ils prennent lui, je préfère garder ma voiture volante. Eh! Qu'est-ce que t'as dit? Je parlais dans ma barbe. Ok. Vous voyez bien, j'ai des poils. Oui, lève la tête. Ah oui, ah oui. Vous avez des poils. Les clés sont là, monsieur. Allez, passe-moi. Ne me tirez pas dessus. Ouais, c'est ça. Les clés avion. Ok. C'est écrit dessus. Ah avec oui. Avec ça, vous pourrez faire démarrer. Ok, hop. Si tu mens, tu vas te recevoir une balle. Oh, c'est nickel. Alors, monsieur, vous avez votre permis parce que. Dégage! Non, mais les mecs, c'est pas possible. Je viens de me faire braquer dans un aéroport. Mais c'est une singerie. Y a la sécurité nulle part là. Et. Oh, oui, c'est pas très bien piloté. Oh les gars, il m'a cru comme deux gouttes d'eau. J'ai réussi à voler son avion, regardez. Wow, par contre, attendez, je vais lui faire croire que je suis pas le piloté. Eh ben si en fait, hop là, j'ai fait un petit rasmote. Au secours, nickel, j'arrive à voler. Bon, c'est très compliqué. Wow, c'est pas du tout pareil que l'autre avion. Attendez, je vais réussir. Ah. Oui, c'est pas très bien piloté. Il est un peu comme moi finalement. Ah oui, il fait des vrilles et tout là. Bon, je note les gars, c'est un très mauvais plan de rester ici. Parce que vu que j'ai mes affaires de riche. Oula, il a pété. Vu qu'il y a mes affaires de riche ici, si je reste là, je vais me faire voler. On va quand même lui demander s'il va bien. Oh, mais il a reconstruit en un clin d'œil. Et ça y est. C'est facile à piloter. Bah oui, j'ai bien vu, monsieur. Oh. Bah vous allez tout péter là. Non, mais de toute façon, c'est pas parce qu'il pète qu'il est pas à moi. C'est parce qu'on pète que ça pue, hein. Il y a des silencieux des fois et on les remarque. Oui, tais-toi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon les gars, j'avoue, c'est un peu galère à piloter, mais il explose, mais je peux quand même le récupérer. Donc c'est facile. Bon les gars, là du coup, il faut que j'arrive à retourner chez moi. Techniquement, ça devrait pas être compliqué, mais en fait, c'est compliqué à gérer l'avion. Et bref les gars, pendant que je vole, et ben n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Donc les gars, aux 100 000, il y a une grosse surprise. Vous allez voir. Mais là, abonnez-vous tout de suite et mettez en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. Mettez en commentaire, t'as une belle moustache. Voilà, juste ça. Mais faut le caler dans un beau commentaire. Hein. Donc bon les gars, oulala, j'ai raté la piste d'atterrissage. Je vais essayer de faire un looping. Ok, nickel. Les gars, je suis trop chaud. Faut que j'arrive à faire un 3-6. Là, les gars, j'éteins les moteurs. Boum. Techniquement, je pourrais atterrir sur la piste d'atterrissage. Allez, vite. Ok. Et nickel, les gars. Je l'ai parfaitement bien garé. Et là, déjà, regardez, on a deux avions. Les gars, je vous dis, mes techniques marchent de fou malade. Bon, les gars, on se casse avant qu'il me réclame un autre véhicule et qu'il me le pète. Je vais retourner chez moi où je serai beaucoup plus en sécurité. Moi, j'y pense. Faudrait peut-être que j'aille me plaindre à la sécurité là. En plus, mon avion est assuré, donc j'ai de quoi gagner un petit peu. Alors, je suis pas sûr que c'est là qu'il faut que j'aille. On va y aller quand même, hein. On a peur de rien. Et hop là, oui, on est sorti. Mais regardez, on le voit encore là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça se voit que c'est pas un pilote. Franchement, il y connaît. Bon, c'est un peu un CSC là, je viens de me prendre un mur. Ok, de retour chez moi, je me sens enfin en sécurité. Alors là, ce qui est toujours compliqué, c'est de prendre la rampe et de pas tomber. Mais vu que je suis un pilote professionnel, ça passe. Voilà, on va se garer juste à côté. Ah, et là, on est bien. Bon, maintenant les gars, pour le prochain vol, eh ben ça va être très simple. Regardez, juste ici dans le coffre, boum, j'ai un petit costume d'enfant. Et ça va être très simple, je vais lui faire croire que je suis un enfant perdu. Comme ça, il va me recueillir chez lui. Et pendant ce temps, je vais voler son hélico. Et oui, les gars, je suis trop malin. Donc les gars, j'espère que mon plan va marcher. Je vais essayer de modifier
modifier ma voix, mais techniquement, ça devrait passer. Oh, mais je vous ai pas présenté Doggy. Doggy, c'est mon petit chien-chien qui m'accompagne partout. Et qui, quand j'ai personne le soir, peut me faire des petites gâteries comme actuellement. Voyez, il se régale. Et moi aussi. Ok, les gars, je suis arrivé devant chez lui. Attention, je vais sortir mon meilleur jeu d'acteur. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, il est là. Monsieur, il y a quelqu'un. J'entends un truc là. Monsieur. Mais comment vous avez fait pour entrer? Je suis perdu. J'ai vu la rampe. Mais vous êtes trop choupi, monsieur. Vous êtes tout poupi. Poupi, vous êtes tout cookie. Vous devez forcément avoir un prénom qui finit en i. Oui, je m'appelle Timothy. Ça vous va tellement bien. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai faim. Achetez-moi à manger, monsieur. Alors, je suis très riche. J'ai rarement donné aux pauvres. Mais vu que vous êtes très chou, très poupi, je vais faire une exception pour vous. Oui. Vous êtes grand pour être un petit enfant. Mais j'ai un problème de croissance. Ah, et partout? Oui, vous regardez quoi? Non, je voulais savoir si tout grandissait très vite. Bah oui. D'accord. Ok. Je vois ça a laissé une trace bleue. Ah bon? Foncée. Ah oui, on me le dit souvent. Bon, vous avez faim. Oui. Qu'est-ce que vous voulez manger? Ah, je vais vous chercher un McDo, vous voulez que je cuisine oui, ici? Oui, un McDo, il y a un Walmart dans la ville là-bas, là. Loin, très loin. Ah, mais vous habitez où? De base? Je sais plus, je me suis perdu. Bah je vous emmène, vous venez avec moi? Non, je vais rester là, j'aime bien le chaud de la cheminée. Hop. J'ai pas de cheminée. Si, vous avez une cheminée juste ici, je connais mieux votre maison. Ah, bien vu. Bah, je l'ai acheté il y a quelques jours en même temps. Ah. Mais bah, d'accord. Mon tonton, c'était Yo Ananas. Quoi? Oui. Ce voleur! Quoi? Je le déteste, mais je bien fait qu'il soit mort. Arrête de parler comme ça. J'ai de moins en moins envie de te garder chez non, moi là. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, va me chercher à manger là, j'ai faim. Bon, puisque t'es un enfant et que je suis soumis aux enfants, j'adore les enfants, surtout ces enfants-là. Je vais aller chercher le McDo. Dépêche-toi, hein. Reste sage, je fais vite. Oui, t'inquiète pas, de toute façon, je vais pas rester longtemps. Bizarre ce gosse. Bon, en tout cas, les gars, je suis prêt à tout pour garder un enfant chez moi très longtemps. S'il faut, je vais le mettre dans une cage. Donc, franchement, dans cette histoire, je suis tout gagnant. On va aller lui chercher son petit McDo, ça va le mettre en confiance. Et après, on pourra le chouchouter. J'adore les enfants, moi, les mecs. Bon, alors, le Walmart, par contre, il m'a dit qu'il était par là. Je sais plus où. Oh, il y a des boosts de vitesse sur cette route, c'est incroyable. Oh, je vais hyper vite. Oh, la dingue, mais regardez, oui, c'est comme la route arc-en-ciel, en fait. Alors, le Walmart, mon carte est pas designé pour monter sur la route. Bon, bah, dommage, on va aller annoncer à Timothy que le plan McDo a totalement échoué. Ok, les gars, il est parti. Attendez, je vais vérifier qu'il soit bien parti. Puisque, avec lui, on sait jamais, hein. Où est-ce qu'il est? Ok, nickel. Regardez, il est tout là-bas. Oh là là, il est trop bête. Les gars, il tombe facilement dans le panneau. Bref, son hélico, regardez, il est juste ici. Et je vais me faire un plaisir de le voler en plus. Puisque quand il est arrivé, il a laissé les clés dessus. Parce qu'il était choqué que je lui ai volé son avion. Mais les gars, regardez, j'ai directement les clés. Donc là, ça va être très simple. Je vais vite le ramener chez moi. Et il ne va se douter de rien du tout. Enfin, si. Mais ça, c'est pas mon problème. Parce qu'il s'est pas abonné à la chaîne. Vous voyez? Quand vous vous abonnez pas, et bien vous finissez comme Invisible Man. Ah, mais regardez, hein, y a un hélico en haut là. Alors, en fait, je suis pas le seul à être un pilote de fou. Et c'est rare, hein, pourtant j'en vois rarement. Et là, en l'espace de un jour, j'en ai vu. Ah bah, un volé dans le ciel. Ok, bon, bah, j'ai rien dit. Bref, on va retourner à la casa. Au pire, je vais lui cuisiner des nuggets, ce sera à peu près pareil. Je pense qu'il sera content. Alors attention, on fait gaffe à la barre et ça passe. Oui, ça passe, ok. Timothy, j'ai ton McDo. Ah bah non, soirée McDo corrompue. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le Walmart. La bagnole n'était pas adaptée. Timothy, tu m'entends? Les gars, boum, ma maison, elle est juste ici. Je vais descendre tranquillement. Et normalement, c'est très simple avec un hélicoptère. Donc là, boum et boum. Voilà, nickel. Oh là là, les gars. Mais c'est parfait, regardez. J'ai un avion, une place. Un avion, deux places. Et j'ai un hélicoptère, deux places. Oh là là. En plus, regardez, il a des mitraillettes, il a des missiles. Les gars, je suis refait. Je suis trop content, c'est un truc de malade. Il est où mon hélico? Oh non. Me dites pas que c'est celui que j'ai vu dans le ciel? Non, je me suis encore fait voler là. Mais pourquoi déjà mon système d'alarme, il a pas sonné? C'est que le mec devait vraiment puer. Mais je l'ai pas senti comme ça là. Je me suis trop fait attendrir parce que c'était un enfant et que j'aime les enfants. Il est véritablement pas là, les mecs. Je crois que je me suis fait voler. Mais comment il a fait pour piloter un avion alors que c'est un enfant? À moins que c'était un fake enfant. C'est pour ça qu'il était très grand. Est-ce qu'il a pris autre chose? Oh, mais mes coffres sont vides. Il m'a dépouillé. Ok, j'ai capté. En fait, les mecs, toutes les interactions que je vais avoir aujourd'hui, ce sera des traquenards pour me voler. On va être plus intelligent que ça. Et dès que quelqu'un va me parler, je lui dirai hashtag no harcèlement. Le hashtag que InoxTag avait lancé. Et vu que je suis fan d'InoxTag, je vais respecter sa volonté. Mais bon, c'est pas tout. Parce que les gars, comme vous l'avez vu, il avait d'autres trucs dans l'aéroport. Donc ça va être très simple. Déjà, attendez, il faut que je me change. Et boum, voilà, ça c'est fait. Et dans le coffre, boum, j'ai ce petit objet. Et j'ai un petit livre. Et en fait, les gars, regardez. Ce petit livre, ça va être très simple. Je vais écrire RDV, ton ancienne maison avec ta voiture volante. Sinon, virgule, je fais exploser ta maison et ta cervelle, petit
FDP. Voilà les gars. Et là regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement poser le colis juste ici, boum, dans l'avion. Regardez, il est juste ici. Regardez, il est juste ici. Et là du coup les gars, regardez, hop, je vais mettre le livre juste ici et je vais aller directement chez lui pour lui larguer le petit colis. Et donc je m'approche de sa maison. Et attendez, regardez, c'est mon hélico. Il doit y avoir le petit enfant là-dedans là. Hashtag de harcèlement. Descends là, rends-le-moi. Ah mais il va peut-être se poser là. Attendez, je vais lui faire de la place. Pense qu'il se pose. Donc là les gars, ok, faut que je fasse très attention. Je vais me mettre juste ici et je vais larguer le colis. Boum. Ok, c'est bon, c'est nickel. C'est largué. Et maintenant vite, je vais retourner à la maison. Les gars, on l'a fait. J'ai largué le colis. Maintenant, il va voir le mot et il va stresser de fou. Et j'espère qu'il va vraiment venir. Ouais. What? Il m'a livré un colis Amazon. Ah mais peut-être c'est mon livreur en fait. Ouais, parce qu'on se livre comme ça entre riches. Mais est-ce que alors la question là, est-ce que je lui cours après là? Il est quand même très proche du sol. Ouais non, je l'aurai pas. Hein. Il redécolle. Mais il y a quoi dedans là? Je sais plus ce que j'ai commandé. Peut-être ma crème anti-hémorroïde. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre. Rendez-vous ton ancienne maison. Ouais, déjà il sait pas écrire le mec. Rendez-vous à ton ancienne maison avec ta voiture volante. Sinon je fais exploser ta maison et ta cervelle. Petit FDP. Alors, c'est des menaces. Je doute qu'un enfant écrive comme ça. Donc c'était pas un enfant. J'aurais jamais dû l'accepter chez moi. Et du coup, sinon il va me larguer des TNT au-dessus de ma baraque si je viens pas à mon ancienne maison avec ma voiture volante. Mais déjà, comment il est au courant que j'ai une voiture volante? Purée. Bon, je sais pas si je fais mon hashtag no harcèlement et que je fais de l'aveugle, que je voudrais pas me faire péter ma maison quand même. Elle est vachement... Oh wow. Ok, ça va, je me suis pris un mur, ça m'a ralenti. Mais je crois que là, on n'a pas le choix. Hein. On va devoir aller à l'aéroport avec mes boosts. Ah, j'ai payé très cher pour les poser. Vous savez même pas que j'en avais. Ça devait être dans le lot. De toute façon, je vais aller chercher ma voiture. Qu'est-ce qui va m'arriver? Un mec qui va me braquer avec un fusil? Ça m'est déjà arrivé, c'est mon quotidien. Qu'est-ce que ça change? Et nous, boum, nous revoilà à notre petit parking à avion. Voilà, là on est nickel. Peut arrêter l'hélice et maintenant je vais l'attendre à son ancienne maison. Donc je remets le petit masque, je reprends ma petite arme. Et attention les gars, regardez son ancienne maison. Je sais pas si vous avez vu l'ancienne vidéo où je vole ses voitures, mais son ancienne maison c'est celle-ci. Donc vraiment les gars, il s'est vraiment amélioré. Il a fait fortune dans les avions, moi je vous le dis. On va aller juste là et j'ai plus qu'à l'attendre. De toute façon, je sais qu'il va venir. C'est parti les mecs, je mets les gaz et ça va très vite. Et en plus là j'ai pas pris de boost hein. Ah, les boosts fonctionnent pas. Par contre avec celle-ci on fait des dérapages de fou. C'est dur à piloter, on va passer par là. Et ça passe pas, ok. On va être civilisé et prendre par la route. Bon, avec les mecs, je vous avoue je ne vais pas voler. Certes c'est une voiture volante, mais c'est sûrement la plus chère de ma collection. Donc je voudrais pas la briser en fait. Ok, on tourne, boum. Et on est quasiment arrivé. Et c'est ici. Alors, je suis à mon essai. Oh là 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 là. Ok les gars, il est là. Hop hop hop. Monsieur, viens là. Je vous reconnais. Je vais juste partir avec ma voiture. Hey, viens là. Monsieur, je peux vous écraser? T'as vu ce qu'il y avait dans le mot? Donc viens, on va faire un bon échange. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ta voiture, sors de là. Non, c'est la poussière de ma collègue. Sors. Ah, c'est bon, c'est bon, je sors. Ok. Vous savez, mais vous avez même pas le permis, monsieur, je vous ai vu en avion. Vous l'avez fait exploser. Ouais, non, je l'ai pas fait exploser, j'ai juste fait exploser le sol, l'avion je l'ai récupéré. Et est-ce que vous avez un enfant par hasard? Timothy? Un enfant... Oh ouais. J'en étais sûr. Ouais. Tout c'est est lié. Mais vous envoyez un enfant voler un hélico, vous êtes malade. Ouais. Qui te dit que c'était un enfant? Je me suis bien fait avoir, j'aimais bien les enfants. Quoi? Ah ah. Et ouais. C'était ouais. Vous. Mais vous aviez l'air si poupie. Ouais. Peut-être que c'était pas moi, peut-être que c'était un collègue. Ou peut-être que c'était ma femme. Ah monsieur, ouais. Je vais aller tout poucave à la police. Non, tu vas rien faire du tout. Vous êtes un grand malade. Oui. Allez, à plus, bolos. Waouh! Bah je m'en vais. Okay. À Saint-Malo. Allez, tu veux que je te dépose? Bah non. De toute façon, monsieur, je vous ai payé. Cette voiture, elle vole même pas. Loser. Espèce de fils de... Bon, les gars, je sais qu'elle vole pas, mais regardez, elle touche pas le sol. Donc tant que ça touche pas le sol, eh ben c'est pas considéré comme une voiture volante, hein, moi je vous le dis. Donc bref, regardez, je vais me mettre juste ici. Boum. Et là, voilà. Oh là là, les gars. On commence à voir tous les véhicules de Invisible Man. Regardez, j'ai tout, j'ai absolument tout. C'est un truc de malade. Oh les mecs, mais c'est un traquenard, c'est obligé. Mais pourquoi je suis pas allé voir la police? Vous savez quoi? Il est jamais trop tard. On va y aller. Est-ce que quelqu'un sait dans les commentaires où est le comico? Non, parce que moi j'en ai aucune idée. Du coup, je vais peut-être rentrer chez moi en fait. Bon, les mecs, j'allais pas rentrer à... Je suis retourné à mon aéroport et on va rentrer en hélico. J'espère juste tomber sur personne. Non, parce que là, c'est vraiment pas ma journée. Hein. Hop, on va décoller. J'ai très peur de me prendre le plafond. Vite! Ah! Les hélices! Faut faire gaffe aux hélices. Ok, on est sorti. C'est bon. Par chez moi, c'est par là-bas. Oh, il est beau cet avion là. Je pourrais me l'acheter. Beaucoup plus stylé que le mien. Peut-être que ce serait judicieux de chercher le policieria dans un hélico. Mais j'ai aucune idée d'où il peut être. En même temps, j'ai aucun ami dans la ville qui pourrait me le dire. Oh, y a une voiture de flic là. Ça doit pas être loin. Waouh, y a un accident là. Mais vous savez quoi? Je croise personne dans cette ville. Elle doit être déserte. Ok les gars, pour le prochain vol, eh ben je sais ce qu'on va faire. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Parce que regardez, juste ici dans ce coffre, eh ben boum, j'ai des faux billets de 200 et j'en ai 60, ce qui fait 17 000 euros très exactement. Mais les gars, c'est des faux billets, du coup ils valent rien du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc bref, regardez, juste ici, techniquement, hop là, j'ai un super costume. Là, regardez les gars, je suis beau gosse. Par contre, j'ai pas de chapeau, donc jugez pas ma calvitie dans les
commentaires s'il vous plaît. Et boum, juste ici techniquement, voilà. J'ai un chapeau, donc attendez, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et là, regardez, si je mets le chapeau, boum, j'ai un flow de fou malade. Donc bref, c'est excellent. Et là, les gars, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'aller lui voler son petit hélico. En plus, regardez, je sais pas si vous avez vu, mais il était en hélico juste ici. Donc les gars, il a ramené son hélico chez lui, c'est parfait pour moi. Je vais faire une super affaire. Bon, on va se poser doucement et je vais essayer de planquer l'hélico. Où est-ce que je pourrais le mettre? Bah, en vrai, sur le toit, les gars. Personne pensera qu'il y a un hélico sur le toit. On va le mettre ici et comme ça, personne va me voler. Oh, parfait, je suis un génie. Nickel. Et puis, même si quelqu'un veut me le voler, bah, comment il va aller sur le toit? C'est impossible. Je suis forcément gagnant. Parfait. Bonjour, monsieur. Qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous? Je ne fais pas je ne vous fais pas confiance. Non, t'inquiète, je suis quelqu'un de riche. Je veux t'acheter ton dernier hélicoptère. Mais monsieur, vous avez pris la grosse tête là déjà. Non, c'est ma coupe de cheveux. T'as un truc? Non, je veux faire la même. Ah non, appropriation culturelle. Non, je l'aime bien, c'est tout. Je peux toucher? Non, je rigole. Oui, si tu veux, tiens. Non, on si, demande pas touche, ça. Touche. Ok. Ah, okay. Oh, c'était doux. Oui. Bon, où est votre véhicule? J'ai vu votre annonce. Mais, je vous ai dit oui même. Mais quelle annonce? Bah, sur le bon coin. Ah, mais vous vous trompez fortement là. Je ne vois pas mon avion. Ah, mais après réflexion. Mais c'est vrai, monsieur, que j'ai un peu tout perdu. Dans les journaux, on parle que de vous. Vous avez perdu tous vos avions. Vous avez plus d'argent. Quoi? Mais comment ils sont au courant? Ah, ben. Je suis une star ou quoi? Ah oui. Bon, oui, c'est vrai que je pourrais me refaire avec un petit peu de sous là. C'est vrai que j'ai. En plus, regardez, j'ai des billets de 200 dans ma main. Regardez, et j'en ai beaucoup. Oh, waouh! Alors, j'adore l'argent. Vous m'intéressez, monsieur. Ah. Bah, si je vous vends mon avion, je vous le fais à 17 000. 17 000? Oh, bah, c'est pile la somme que j'ai. Ça fait 60 billets de 200. Ah, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Ok, il est où? Je veux voir le produit avant. Alors, j'avais peur des vols, donc je l'ai garé sur le toit. Ah, vous me okay. suivez? Vas-y. On va grimper. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de voleurs, mais ils vont partir. Mais juste, comment vous êtes entré? Vous puez, monsieur, c'est obligé. J'ai un détecteur de senteurs et ça laisse passer que les gens qui puent. Ah, ok. Et normalement, si quelqu'un sent bon, bah ça sonne l'alarme, quoi. Bah, l'alarme, elle est défaillante, je pense. Ah, si vous sentez bon. Mais oui. Ouais, oh. Okay, je ferai vérifier ça. Waouh. Il est beau, n'est-ce pas? Ouais, il est très beau, il est rouge et tout. Et ça se voit, c'est on un... teste pas. On me paye avant de tester. Ça se voit, c'est un X-Maxter 38 Furious Jumper Blaster. Alors, vous vous trompez, monsieur, c'est un X-Unchained Castor 2009 Lined. Ah d'accord, OK. C'est pas plutôt c'est un modèle divin. C'est pas plutôt un XXX Shadow Bass Shadow Kaka X Multicore le plagieur de ouf. Alors absolument pas, monsieur, vous vous trompez, c'est un modèle XNXX tu kiffes. Ne... bon, non, je rigole. Mais c'était une blague. Ah ok, bon, on fait une affaire. Oui, pour 17 000 il est à vous. Ok, bah attendez, venez, je vous donne les billets juste ici sur le toit, puisque j'aime bien, c'est plat et j'aime bien. D'accord, c'est bizarre monsieur. Allez hop, tenez, allez. Merci monsieur. J'ai pris mon avion. 60, ah, mais ça fait beaucoup d'argent. Ouais, faux billet de 200 monsieur, c'est écrit dessus. Non, redescendez de l'avion. Non, allez, l'hélico. Hashtag noir seulement. Les gars, il a rien vu venir. Oh là là là, j'adore. Avec ma petite coupe afro là, même regardez, elle dépasse de l'hélico carrément. Là les gars, je vous le dis, je vais revendre tout ça et je vais être super riche. Moi, on me la fait pas à moi. C'est la fois de trop. Ce mec, je vais le retrouver. Je prends ma caisse et ça part en course poursuite. Hop là, je descends. Elle est où ma caisse? Elle est là. J'ai failli me casser les jambes. Croyez-moi, on va pas le perdre de vue. On va le suivre. Il est foutu. Je le vois plus. S'il est là. Ok. Je me concentre. Ils sont mes boosters là. Je peux pas aller vite. Et il est très très lent. C'est à mon avantage. Il sait pas piloter. C'est un apprenti. D'ailleurs, tous les gens qui me volent, ils savent pas piloter. Ça leur fait tous un point commun. Je sais pas piloter non. Mais où il est? Ok, il est juste en face du pont. Avec les boosts, ça se trouve, je vais le rattraper. Ok. Vite. Il faudrait que. Mais comment je l'atteins? Mais je suis abruti moi. Et vous savez quoi? Mon plan, c'est de toujours le suivre comme ça. Il pourra jamais atterrir et il va tomber en panne d'essence. Et du coup il atterrira forcément. C'est un plan infaillible. Il va atterrir. Oh. Ah, un camp de SDF. Ça me dégoûte. Ça pue. Donc là il faut que j'arrive à retourner chez moi. Waouh, c'est galère. Mais en tout cas j'y arrive. Et maintenant je vais poser le petit hélico directement à sa petite place qui est dédiée. Juste ici. Voilà, nickel. Oh, ça fait du bien. Là maintenant je peux enlever la petite coupe afro. Je peux enlever mes habits. Oh. Ah, un peu comme moi. Il a atterri. On va lui régler son compte. Ah, oh non. Quoi? Ne me dis pas que... Non. Yo, Ananas, mais t'étais pas mort? Non, je suis pas mort. J'ai tout volé. Voilà, j'avoue tout. C'est toi depuis le début? Oui. Pourquoi est-ce que tu persistes constamment à me voler? Mais c'est pour faire plus de vues que des blocs.